Rebonjour les cancers, on se retrouve pour vos énergies sentimentales. Allez, on y va ici avec l'améthyste love. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant lunaire et solaire aussi pour vos énergies sentimentales pour avoir toutes les infos sur le mois. Hop, hop. Alors, bon, on parlait de messages tout à l'heure. Donc là, on est encore dans les messages. Donc ici, il y a des messages qui arrivent. Mais par contre, on sent que vous doutez. Alors, pour certaines personnes, c'est parce que vous étiez en break ou vous aviez envie de laisser en pause ou c'est peut-être une ancienne relation qui était restée en stand-by et qui n'était pas totalement finie. Parce que là, on parle d'une relation karmique, quelque chose qui revient en fait, qui est quelque part à prendre en considération, soit il y a encore quelque chose à faire, soit à y mettre un stop final. On sent quand même qu'il y a une atmosphère un peu plus détendue là quand vous allez vous revoir, quand vous allez vous contacter par rapport aux dernières fois. Bon, après, c'est vous qui savez, hein, comme je dis toujours, on adapte à sa situation. Ah, la foi soulève les montagnes, c'est le dos de deck. Hey. Alors, ici, donc on parle de renouveau, on parle de nouveau départ, on vous dit d'être encore patient, patiente. Renouveau, il y a pu avoir tromperie ou doute sur tromperie, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une pause la première fois. On parle de patience ici. Il y a quand même... Vous êtes quelqu'un de stable dans le sens loyal. Quelqu'un qui avait besoin de quelque chose de stable. Cette personne est peut-être encore en travail. Donc, n'est peut-être pas au même stade que vous actuellement. N'est peut-être pas autant avancé. Ouais, regardez. On parle d'un homme. Retour d'un homme. Il a peut-être effectué ce travail, il est peut-être justement en train de comprendre les choses et il a certainement envie voilà, de retrouver cet amour, de retrouver cette effervescence, de retrouver quelque chose de plus passionnant plutôt que ce flirt que vous avez pu avoir. Voilà, on vous dit que ça a été comme un flirt, que vous y avez pris la décision d'arrêter parce que vous sentiez qu'il n'était pas autant engagé que vous. Mais par contre, là, il y a un renouveau positif qui arrive, qui est en train de se mettre en place. Et en même temps que cette personne, on parle d'une autre personne qui va rentrer. Donc la triangulaire, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous avez le retour d'un ex, mais en même temps, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et ça va être à vous de faire le choix, à savoir quelle est la meilleure des relations. Wop, wop, wop. Là, ça fait beaucoup quand même. Bon, il y en a une là-bas qui est sortie. Ok, bon, ben là, on sent que c'est instable. Vous ne savez pas où donner de la tête. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. C'est peut-être à vous aussi de faire la pause là, hein, de faire la pause et savoir où vous en êtes sur ce que vous avez envie. Donc là, on parle de cadeaux qui va arriver, de cadeaux, de concrétisation de projets. Concrétisation de projet, certainement après une pause quand même, hein, parce que là, vous avez besoin de savoir. Vous savez, vous connaissez votre âme sœur, mais par contre, il y a quand même des mensonges, la relation discrète. Il y a quelque chose en fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément seul. Il y a quelqu'un à côté, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui se présente. Ça a l'air d'être un peu le chamboulement là. Où vous pensez à une ancienne relation aussi, hein, que vous n'avez pas réussi... à totalement oublier, à totalement libérer. Ça aussi, c'est possible. Surprise. Surprise, cadeau, concrétisation. Il y a quelque chose de beau qui se met en place. Et quelque chose à nettoyer, à clarifier, à mettre au clair. Ouais, blocage mémoire karmique. Donc tout à l'heure, je vous parlais relations karmiques. Il y a un blocage encore peut-être avec une ancienne relation, une ancienne personne qui est toujours présent et qui vous empêche d'être totalement libéré. Même s'il y a des changements positifs qui arrivent, qui sont en train de se mettre en place, cette carte de mensonge ici, il faut être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec ce que vous voulez.
mettez bien fin aux relations que vous avez pu avoir avant d'en entamer une, sinon vous ne serez pas totalement au clair, vous ne serez pas totalement libre et prêt ou prête à avancer. Allez, ici on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses quels sont les messages à recevoir. Hop, 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 hein, il y en a beaucoup. Bon, allez, on va les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Respecte mon silence. Alors attendez, je vais zoomer là, voilà. Respecte mon silence. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser ma situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et pour finir, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée et j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela me rend totalement réceptif, me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Eh bien, dites donc, comme je disais que c'était pas clair, il n'y a pas que pour vous que c'est pas clair, hein. Et pour finir, on va prendre un message ici pour les cancers. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Et tu m'étonnes. Et voilà pour vos énergies sentimentales du mois de février. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour, à liker, partager et vous abonner. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt.